Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour avoir le pack Microsoft Office 365 gratuitement. Donc, restez attentivement sur cette vidéo et nous allons passer à de l'inscription, de l'activation du pack jusqu'à l'installation du pack sur votre Mac ou sur votre Windows. Il vous faut avant avoir un compte ENT, donc être étudiant, ou avoir un étudiant dans votre famille dont vous allez utiliser son compte étudiant, ou une personne qui a laissé les études il y a de cela un an. Vous allez utiliser son compte. Vous allez donc passer sur le ENT ou les étudiants en France. Donc moi, j'ai été étudiant à l'université de Poitiers. Donc je vais utiliser mes accès pour me connecter sur mon compte ENT et avoir le pack Microsoft Office 365 gratuitement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, dans toutes les universités, Microsoft a donné des licences gratuitement à tous les étudiants et les professeurs à l'université. Dès là, vous saisissez vos identifiants, vous cliquez sur se connecter. Une fois que vous êtes là, vous allez venir à vie pratique. Vie pratique, vous allez voir la licence logiciel gratuit. Donc ici, vous avez plusieurs licences. Il y a Microsoft Office, vous avez Walmart Mathematics, vous avez Saks. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Microsoft. Vous allez donc cliquer là sur ce lien-là. Une fois là, la page va s'ouvrir, on va vous orienter là, on va vous donner des descriptifs, voilà, l'université où vous serez, où votre fils ou quelqu'un de votre famille est inscrit. Comment donc profiter de ces services? Vous allez cliquer sur ce lien là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir les accès de votre compte ENT actif. Cliquez dans là. Par la suite, la page, on va vous rediriger sur la page Microsoft. Vous allez glisser au bas. À ce niveau-là, on va vous demander votre adresse email de l'établissement scolaire. Vous allez saisir votre adresse email. Donc, une fois que vous avez saisi votre adresse email, on va vous demander le mot de passe. Vous allez cliquer. Et une fois que vous allez cliquer, on va vous demander si vous êtes étudiant ou professeur. Donc, vous allez sélectionner étudiant. C'est parce que moi, je l'ai déjà activé. Une fois que vous allez le faire, on va vous dire automatiquement ici, inutile de vous inscrire car vous avez déjà une licence 365 étudiant. Vous allez cliquer sur OK. De ce côté-là, il y aura installé. Vous allez cliquer sur Office 365. Téléchargement va se lancer. Pour ceux qui sont sur Mac, vous pouvez directement aussi aller sur App Store pour télécharger Microsoft Office. Une fois que vous avez donc fini de faire le téléchargement, moi je ne vais plus lancer le téléchargement parce que je l'ai déjà. Une fois que vous avez fait cela, vous fermez dans les pages, vous finissez l'installation. Vous allez donc vous retrouver ici. Une fois que vous avez téléchargé votre application, vous allez venir ici, vous aurez donc tout votre pack Office qui sera là. Donc vous avez Microsoft One, OneNote, Excel, Outlook, OneDrive, Word, PowerPoint. Vous allez donc cliquer sur un des services donc pour vous connecter. Une fois là, à ce niveau-là, au départ, on va vous demander de saisir votre adresse email étudiant. Vous allez mettre votre adresse email, votre mot de passe et vous allez avoir votre vie privée et importante. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez donc sur terminer. On vous dit tout est prêt. Vous pouvez commencer à utiliser les services Word complet. Voilà, vous pouvez saisir votre document, le modifier comme vous voulez. Donc là, vous n'avez plus de restrictions. Ceci sera pareil avec les autres packs. Donc, vous prenez les autres packs, vous ouvrez, et juste là, continuez à utiliser. Voilà, vous cliquez juste pour les activer. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Voilà, si j'ai sauté certaines étapes, c'est juste les
les étapes d'identification pour mon compte, pour ne pas montrer mon adresse email étudiant. À la prochaine pour un nouveau tuto.